Et bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo découverte d'un nouveau donjon sur Dofus, il va s'agir du donjon de Dramak, en compagnie de mon petit Zobal qui maintenant est plus achète que mon roublard, enfin ça c'est pas grave. Donc tout va commencer en 14-14, donc c'est ici que le tunnel pour aller jusqu'à l'île Carton-Pâte est ouvert. Je vais aller avec vous. Et une fois qu'on sera devant le donjon, on ira TP Cabriole, qui est déjà dans le groupe. Donc pour ceux qui ne savaient pas, c'est par ici. Tout simplement, on va arriver tout près de la foreuse, qui est bientôt là, il me semble. Ah non, elle est là, la foreuse. Donc c'est le nouveau, les nouveaux transporteurs, entre guillemets, comme les transporteurs de Brigandin, sauf que là, il suffit de conquérir les îles où habite. Donc c'est pas compliqué, une fois qu'on arrive ici, on va arriver sur l'île de Carton-Pâte. Voilà. Donc voilà, c'est une petite île, je dirais accessible au niveau de 100 à 150. Parce que les monstres, voilà, sont de niveau une centaine de niveaux. Donc ouais, je dirais 100-150. Ils sont pas bien compliqués. C'est juste le boss qui a un état invulnérable qui est assez compliqué à faire quand on ne sait pas quoi. Mais vous allez voir, ça devrait aller. Donc je vais... TP. Merde. Je vais TP Cabriole. Voilà. Et aussi, je voulais vous montrer que j'avais atteint les 1000 challenges réussis avec Cabriole. Donc, comme ça, je vous le montre. Comme ça, je l'accepte avec vous. Et on va le mettre directement. C'est où le titre? Celle-là. C'est comme ça. Voilà. Challenger respectable. C'est pas mal. Petit Cabriole, toujours sans guild parce que j'ai pas envie de le mettre dans une guild ou dans Midgar ou quoi tant qu'il est pas niveau 200. On va parler à Otorino et on va y aller. Donc en plus de ça, je vais essayer de faire les succès s'il y a moyen. Alors Drama, c'est le maître des pantins, donc c'est le dernier combat et je dois faire statue et main propre. Ouais, ça va être tendu quand même. Duo, je l'aurai. Serviteur de Dramak. J'essaie de le faire aussi. Parce qu'en fait, j'aimerais bien avoir assez d'items pour pouvoir crafter la nouvelle panneau. Attendez que je vous montre. Voilà, pour mon Eka Flip, je pensais que ce serait pas mal. Faire un petit stuff par rapport à ça. Ou alors il y a la nouvelle. Enfin, l'autre truc. Le truc que je le trouve. Voilà. Y a l'autre panneau. Un chapeau. Une ceinture. Et un cake. Et alors ça donne de la chance et des belles stats. Enfin, soit c'est des super panneaux. Et pour niveau 100, franchement, sont très très bien. Et alors, ben, on a besoin de certaines ressources, donc je pense qu'avec deux challenges chacun, même trois, si je fais ça, ce serait pas mal, je regarde. Ouais, non, on va bien voir. Donc on va y aller. Voilà. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Si ça fonctionne, oui, c'est bon. Donc je l'ai déjà testé sur la bêta en fait, le donjon, donc je connais un petit peu. Et franchement, c'est pas compliqué parce que j'ai réussi à aller jusqu'au boss tout seul avec mon roublard. J'ai juste un problème, c'est pour enlever l'état invincible parce qu'il faut être deux au minimum pour faire ça. Donc c'était là le problème. On va faire une mascarade, non, une diffraction.
Comme ça, on a plus de boucliers. Par contre, je vais augmenter mon petit son du jeu. Voilà. Comme ça, ce sera mieux. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec mon roublard. Voilà, Elzobal, il rocks toujours autant. Ça, y a pas de souci avec ça. Voilà, on va se faire plaisir. Voilà, normalement il devrait crever lui. Voilà, c'est bon. Et alors on fait ça. Et on fait ça. Boum. Voilà, ça c'est fait. Ah, qu'ils sont cons les mobs. Ben voilà, one shot. Bon, maintenant faut que j'essaie de faire au moins un tchal pour pouvoir réussir les succès Dramak. Donc le Zopal, on va te le mettre là. Et le Roublard, on va le mettre là. Voilà. Allez, un petit CC. Oh non, il CC jamais. On va essayer contamination. Voilà. Ça, j'ai mis plastron, comme ça on ne risque plus rien. Même si on risquait déjà pas grand chose à la base, vous allez me dire. Oh là, je viens de bailler un truc de fou. Je crois que ça s'est entendu. Mais pourquoi tu fais pas de CC? Tiens, c'est pour qu'il s'occupe. Oula. N'empêche, les animations des nouveaux sorts, elles sont sympas, je trouve. Voilà, on y va à la fufu. Faire mal. Allez, une fufu. On va aller sur l'autre. Et encore une fufu. Voilà. On fait les dégâts. Allez, voilà, boum. On a réussi un challenge. Donc je regarde. Ah ben il ne nous reste plus qu'à faire un challenge contre Dramak. Donc ça c'est bon. Ça, la prochaine salle. Donc Dramak, ce n'est pas le boss final de ce donjon, étonnamment. On va le mettre là. Le Roublard, on va le mettre là. Bon, cruel. 96, 95, 94, 93, c'est parfait. Je pensais pas le faire, mais bon. Ça
Si c'est aussi facile. Allez. Bon, après le bulldog, c'est le gobius. Bon, allez, on va aller comme ça au pire. Bon, ça, il peut se décaler et peut-être aller sur le gobius, même ça m'étonnerait. On va devoir aller avec Rush et tout ça. C'est bon, je suis dans le bon masque. Masque de classe. Merde, c'est pas ça que je devais faire. Tant pis, on va se heal sur lui le temps que les autres arrivent. Voilà, il lui reste plus de PV comme ça. Et après ce sera la molette. Donc on va aller sur la molette. En faisant une petite cabriole. Et voilà, une petite furie. Enfin, ça tape tellement fort un Zobal, c'est monstrueux. Allez, cabriole est niveau 1. J'ai fait du 200 avec. À l'aise. Voilà. Voilà, un petit CC quand il faut, ça c'est bien. Voilà. Oh non, il a plus de vie. On va aller dessus, c'est le roublard qui terminera, pardon. Allez, go. Allez, go, Flamish. Allez, boum. Allez, boum. Allez, boum. Allez, boum. On reprend notre Vita. On va aller à la Boliche, comme ça, on se rapproche du roublard. Oh, il en est indéplaçable. Non, il en est à lourd. Non, état rhinophéros. Ok. Je ne connais pas l'état rhinophéros. Et voilà, on le termine. On a le tchal, on va prendre un peu de pain. Parce qu'on est face au Dramac. Et le Dramac... n'est pas super compliqué à faire. Le but, c'est qu'en gros, on va tuer les petits mobs. Et puis le drama, qu'on va le défoncer assez rapidement. On va essayer de jouer un peu plus avec les bombes et tout ça. Puisque la map est bien pour ça. Ce qu'on va même faire, c'est ajouter des PA. Ouais, je peux le faire. Alors, le drama qu'il est là, il a 2100 PV, il n'a pas d'énorme résistance à part en neutre, mais il est en état invulnérable. Je vais vous expliquer après comment on fait pour l'enlever, c'est pas bien compliqué. Voilà, on fait ça. On fait ça. On fait. Trans, allez. Soyons fous. Que j'ai pas encore monté. Alors on va dégommer lui en premier, je pense. 1, 2, 3, 4. Ouais, on va faire en sorte. Voilà. Et je peux encore faire ça et ça. Et je vais me rapprocher.
Voilà, alors cruel, c'est qui en premier? C'est le Gobvius. Bon, tant pis. On va faire chacun son monstre à la place. Boum. Tellement de dégâts. Ouais, comme ça, le roublard va taper le rhinocéros. Par contre, je me demandais ça sur la bêta. Vous allez me dire si je me trompe, mais il me semble que rhinocéros, c'est un nom de Pokémon. Je me trompe sûrement, mais j'ai presque sûr que c'est un nom de Pokémon. J'ai cru que j'avais reçu un MP. Oh, il a 8 PV. Le Gobiouf, on va le laisser. Au Roublard, on va lui mettre une petite fougue. On va se remettre en masse de classe. Oh, il va prendre tellement cher, lui. Boum, le plastron. Le pulsar, pardon. Donc là maintenant, le but c'est d'aller rejoindre notre ami Dramac. On va défoncer le pantin en même temps. Parce qu'en fait, quand on est à son cac, il nous transforme en pantin justement. Et bah, le but c'est d'aller à son cac, déjà, première chose. Et après, c'est de se coller à lui et de faire un coup de caque sur un allié qui est à son corps à corps. Donc on va essayer de aller le plus rapidement possible. Voilà, il vous met en pantin. Donc c'est un peu le même genre que le coulosse, pour ceux qui connaissent. Comme ça, la cabriole sort de se dégager. Donc voilà, on a un tour où on ne fait rien. Lui, il va me transformer. Même pas, ça c'est nickel. Comme ça, je peux aller au caca avec le roublard. Oui, ça devrait aller. Et comme ça, le zobal. Ouais, ou alors je fais comme ça. On va se mettre un bouclier. 10%, 10 fractions, voilà. Oh putain, j'ai trop peur qu'il me tue en fait le roublard. Donc voilà, on fait le cac. Voilà, état invulnérable pendant un tour. Donc après, ça devrait aller. Il suffit de taper. Il n'y a rien de bien compliqué. Et le Zobal, il faut faire gaffe qu'il se prenne pas trop de dégâts, sinon il va crever. Non, je crois que ça devrait aller. Juste les pantins qui sont chiants parce qu'ils poussent. Oh là là, ma vie. Ah putain, c'est deux tours. Alors, rentre dans l'état vulnérable. Merde. Bon, on va foutre le Zobal derrière parce que sinon il va crever. Inspirateur. Poussette, voilà. Comme ça, on va faire le coup de cac avec le Zobal au pire. Oh putain, 18 PV. Oh! Je vais mourir! Allez, reprendre toute ta vie. Voilà, c'est parfait. On va se mettre en psychopathe, en mascarade. On va mettre une fougue sur lui. Et on va déjà lui faire une petite boliche. Ah merde, il prend même pas les dégâts de pousser. Donc ça, il perd un peu de vie. Merde, il est en... Ah, fait chier. Ah non, ouais, c'est bon, il est à son cake. On va bouger ça. On va le mettre au même endroit. Je crois que c'est bon.
Juste que je me booste à la cabriole en attendant. On va faire le coup de cake sur le Zobal. Bien sûr, ça crit, ça c'est toute ma chance. Allez, bougeons ça. Voilà. Non, on va y aller à la Furia. Comme je vous disais, en fait, c'est pas un truc qui est compliqué, c'est juste très chiant à faire, en fait. Voilà. On va pousser lui, comme ça. On va mettre un petit coup, et c'est le Zobal qui va terminer. Même pas. Et il faut que je fasse gaffe, hein, parce que... Mode de rien et à la vita qui baisse. Hein. Alors, comme il passe son tour, je vais faire ça et comme ça, je finirai avec le Zobal. Ah, si c'est possible. Allez, toi tu vas là-bas. Donc voilà, il me sort de là. Faudrait qu'il ne bouge. Merde. Moi je vais aller foutre le Zobal au cac. Avec la boliche. On va faire. Je vais tirer une mascarade mais non. Ah non! On va se faire un plastron. Merde, j'ai plus de PA! Ah comment je vais faire? Peut-être en fait si je tue le Zobal, ça va l'enlever. Oh non, vous êtes pas sérieux. Je vais pas être obligé de refaire le truc, si. État invulnéré. Non, allez. On va essayer avec une bombe. Faut pas qu'elle crève en fait, ça va, j'ai compris. Bon, on va tenter le tout pour le tout, en espérant que ça passera. De toute façon, si ça réussit pas, je vais être obligé de recommencer. Hein, donc au pire... Alors, on va mettre une bombe, on va le mettre rémission. Et. Bon, j'ai plus assez de PA. Et on va essayer de faire en sorte qu'il reste à son cake. Normalement, non. À moins que. Non, c'est bon, je pourrais le décaler. Putain, il a tué! Oh, bordel! Ben, je vais essayer de reprendre ma vie comme je peux. Bon, c'est très chaud hein, au final. Oh putain, non, je peux pas perdre contre lui. Ça fait déjà deux fois que je perds. Parce que sur la bêta, j'avais déjà perdu parce que j'étais tout seul et j'avais galéré comme un malade. Allez, non, c'est tout pour le tout là, ce tour-ci. Non, c'est pas vrai. Oh punaise. Je crois que le Zobal est mort en plus, ouais, génial. Bon, je vais aller faire revivre le Zozo. Allez. Je vais vérifier que mon... Ouais non, il est même pas à jour. Je meurs tellement peu souvent avec le Zobal que... Ça c'est fait. Et on va y retourner avec le Zozo. Avec le Roublard, pardon. Le plus rapide, le point de bouffe tout. Allez, on y va rapidos.
Parce que j'ai pas envie de couper, j'ai pas envie de faire de montage et tout ça. Allez, go. Allez, pleuvette, pleuvette. Ils ont changé l'icône du canon Moon. Je sais pas si vous le saviez. Je vous apprends des choses, hein, c'est très bien. Bon, maintenant vous allez me dire, j'ai sûrement fait des gros fails le combat avant. C'est pas grave. Déjà que mon Zobal soit en 9 PA, c'est pas évident. Ça, je dois vous l'avouer. Oh, des bottes. Voilà, le thune. Oh, encore des bottes. Il y en a partout, c'est exagéré. Enfin, quoique, il y en a quand même moins qu'avant, j'ai envie de dire. Avant, c'était vraiment pas possible. Limite, les maps buggaient tellement qu'il y avait des persos qui arrivaient en même temps à cause de ça. Et franchement, maintenant, ça va mieux. Le commerce entre guillemets redevenu stable. Parce que le problème d'avant, c'est que les bots farment tellement de trucs que au final, les HDV, bah, les prix baissent, les prix baissent, les prix baissent. Et au final, bah, plus rien ne coûte. Enfin, plus rien ne coûte cher puisque tout est facilement achetable puisque les bots les farment comme des malades. Donc voilà, on va TP. Le truc, c'est qu'on galère contre Dramac. Mais on va pas galérer contre le boss entre guillemets. Parce que le boss c'est super facile. Bon, Rhino Féroce. Voilà. Le truc, faudrait que je ramène Dramac dès le premier tour. Je crois que c'est possible. Ouais, on va essayer. Non, on peut pas faire ça. Donc je vais essayer de le ramener là et de le pousser vers nous. Comme ça, c'est fait. Comme ça, le Zobal, on va pouvoir. Aspiro. Non, il en a déplaçable, t'es sérieux? Putain, fais chier ce mob de merde. Allez, il est mis nulle part qu'il est en indéplaçable, je suis désolé. Et il est beaucoup trop chiant ce boss, hein. Allez, on va les tuer comme on a fait avant, un par un, sans perdre trop de vie. Le truc, c'est que j'ai pas assez joué les bombes le combat avant. C'est ça le problème. Il va le sauver au brun, voilà. Comment je vais y aller? Non, je vais le tuer. Je vais essayer de le tuer. Je vais essayer de jouer un peu plus en masse de pleurtre aussi. Chose que je ne fais absolument jamais. Que l'apathie, c'est que je regardais, ça enlève des PM. Et donc, si il a plus de PM, ben, il devrait pas pouvoir bouger. Je sais que c'est très philosophique ce que je viens de dire.
une petite bombinette. Voilà, voilà. Oh non, mais pas le Zobal en plante. Ça, c'est super chiant. En fait, vous avez deux persos, mais il n'y en a que un qui peut jouer un tour sur deux, en fait. En plus, je comprends absolument rien au nouveau sort là qu'ils utilisent. Ils sont tous indéplaçables, ces mobs, en fait. C'est ça qui est chiant. Non, tu le remets pas en pantin, hein, c'est bon. Voilà, on va se remettre en masse de classe, comme ça on peut refaire un plastron. Et on va faire gaffe aux vitas de nos persos. Parce que je sens que ça baisse et j'ai pas envie de crever encore une fois. Donc on va continuer avec des bombinettes pour les occuper. Voilà, et on va préparer des petits boosts. On va reprendre un peu de vie tant qu'on est sous plastron. Allez, meurs. Allez, meurs encore. Meurs toujours. Voilà. Allez, non, 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 non. Oh putain. C'est pas possible. Il pourra jamais jouer le bal. Quoique, je pourrais peut-être l'utiliser même en pantin. Moi, je crois que j'ai réussi à mettre invulnérable quand même. Putain, non, mais pourquoi il se met là? Comment je vais y aller? Je sais. On va taper lui. On va mettre des bombes et on va aller là. Avec un peu de chance, il va pas bouger. Reviens mon cake, reviens mon cake. Non, c'est pas vrai. Bon, voilà. Je suis au cac. Je vais quand même tuer les petits avant, hein, parce que... Donc, bien sûr, je sors les jets de merde quand il faut. Bon, et après, on va faire en sorte que le Zobal reprenne un peu de vie, parce que c'est un peu catastrophique pour le moment. Là, et il est toujours ok avec ce parfait. Si je fais une mascarade. Non, je vais plutôt faire ça, histoire de pas prendre trop de dégâts avec le cake du roublard. Oh non, tu vas pas m'emmerder. Donc voilà, c'est bien. Voilà, tu bouges pas. Oh putain, non, c'est pas vrai. Ouais.
Mais d'un quel con! Non, il va me tuer! Non, 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 non. Oh putain, j'en ai marre. Et j'ai pas pensé, mais en fait, faudrait que ce soit le Roublard qui soit ok, que je tape avec le Ougarto, mais j'arrive jamais à me mettre. C'est pas possible, je vais pas encore crever une fois. Non. Tout pour le tout, faut que j'arrive à mettre une invoque qui ne crève pas son cake et faire un coup de cake. Donc toi, tu vas mourir un jour. S'il te plaît. Voilà. On va buter les connards. Allez, pour maintenant, je finis ce donjon de merde. J'en ai marre de crever. Je vais jouer pupute. Le problème c'est qu'il tape fort, n'empêche sur bon hein, le pantin à la con là, voilà. On va faire comme ça, on va te mettre une pote avec, on va tout te faire péter à la gueule. Il crève même pas. Oh putain, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça? Je peux pas jouer un tour sur deux. Comme on peut, on va essayer de le terminer. Oh, aussi, ouais, c'est bien. Voilà, on va se rapprocher. Non, 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 ça va. Bien sûr, maintenant, il le sent qu'il va crever. C'est pour ça, il recule. Il arrête pas de reculer, il fouille. Il fouille. Tenez, je vous laisse une pote. Oh non, mais c'est pas vrai. Et voilà, je peux pas encore jouer. Le truc, faudrait que j'ai plus d'initiative avec le Roublard, avec le Zobal qu'avec le Roublard. Vous avez le choix à faire. Quel con, le misclic, c'est pas vrai, mais j'enchaîne les fails, ce donjon. Oh non, mais cette fois-ci, je lui fais la peau. Donc ça devrait aller. Pas de CC. Non, ça fonctionne pas. Putain, drama que tu fais chier. Oh bordel. Bon ben je dois mourir, c'est tout. Je vais me suicider. Soyons fous et... Oh putain, j'arrive même pas à me tuer moi-même, quoi. Bon, mais je crois que je sais ce que je vais faire. Je vais faire le rendu de cette vidéo. Je vais mettre partie 1. Et puis, je vais essayer de trouver un troisième ou un quatrième personnage. Comme ça, on pourra aller finir ce putain de donjon. Vous, de votre côté, mettez-moi dans les commentaires de quand vous êtes dispo. Et c'est sur le serveur Summens, hein, je rappelle. Quand vous êtes dispo et vers quelle heure. Comme ça, ben, je vous MP, on fait la vidéo ensemble. Et comme ça, je pourrais terminer ce fameux donjon.
Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette première partie de vidéo contre le Dramac. Donc 2 à 0 pour le Dramac, on n'a pas encore réussi à le tuer. Donc on y arrivera un jour, vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt les amis. Salut à tous!